Bienvenue à toutes et à tous sous la canopée, ici Monsieur Green. Des cerises d'Argentine aux bananes d'Afrique en passant par les tomates d'Espagne, nous ne pouvons pas ignorer l'impact environnemental de notre consommation. En achetant ces produits importés, nous ne respectons pas deux règles essentielles à une consommation responsable et raisonnable. Tout d'abord, la saisonnalité des récoltes. Puis, le véritable coût environnemental de la production, usant généralement de produits phytopharmaceutiques, du transport, sans ignorer le coût social pour la main-d'œuvre utilisée dans les pays fabricants. Le premier problème à résoudre est de nous synchroniser de nouveau à la temporalité naturelle, le cycle des saisons, les particularités de chacune et ses offrandes. Pour cela, sortons un instant de la mondialisation, réduisons l'échelle pour se retrouver à un niveau local, voire chez soi. Si demain mon supermarché ferme, suis-je dans la capacité de subvenir à mes besoins alimentaires? Telle est la question. Savons-nous encore cultiver? Nous rappelons-nous des goûts naturels? Pour tous ceux qui possèdent un petit lopin de terre, même minuscule, il est temps de découvrir la permaculture. Qu'est-ce que la permaculture? Il s'agit d'un concept créé par Bill Mollison et David Holmgren. Cependant, à travers l'histoire, nous voyons de nombreuses fois l'homme s'associe à la nature pour une culture potagère ou florale pérenne et surtout où aucun intrant n'est le substitut de ce que la nature peut elle-même donner. Imaginez-vous dans une bulle où tout est déjà disponible pour mettre en place un cycle vertueux de nourriture et d'abondance. L'idée qu'il soit possible de récolter sans semer chaque année, de protéger le sol sous un couvert permanent, de mieux associer les cultures et boisements, voilà l'idée de la permaculture. Pour y parvenir, deux nécessités, l'observation et la patience. Deux éléments qui semblent avoir disparu de nos sociétés modernes, toujours plus rapides et court-termistes. Pourtant, quel plaisir et délectation de pouvoir observer au fil des saisons la vie se développer et l'abondance s'installer au niveau de la flore comme de la faune et pouvoir par la suite déguster ses propres produits. Pour débuter, munissez-vous d'une feuille de papier et effectuez un plan de la zone que vous souhaitez initier à la permaculture. Disposez tous les reliefs, la végétation existante ainsi que les quatre points cardinaux qui vous permettront d'estimer le temps d'ensoleillement de chaque parcelle. N'hésitez pas à noter les vents dominants. Ce plan doit se réaliser sur plusieurs semaines et vous permettre d'évaluer les conditions auxquelles seront soumis vos plants potagers. Placez ensuite, sur votre plan, des bandes de culture d'à peu près 70 cm de largeur, permettant de chaque côté, en s'agenouillant, d'accéder au centre de la bande et entre chaque bande, une distance nécessaire pour entretenir les chemins. Vous pouvez également réaliser des courbes si vous le désirez. Une fois votre plan élaboré, il est temps de passer à l'action. La première règle pour accueillir des plantes est un sol vivant et riche. Pour cela, il faut savoir qu'un sol est toujours couvert, il n'est jamais nu, sinon la sécheresse provoque appauvrissement et ruissellement des eaux de pluie directement vers les nappes phréatiques. Il doit également être le moins travaillé possible pour éviter de perturber la vie souterraine des vers de terre, micro-organismes et bactéries qui ont un rôle actif pour la santé et la croissance des plantes. Aussi, préparer sa bande consiste dans un premier temps à désherber de manière naturelle. Certains utilisent une bâche plastique opaque ne permettant pas aux herbes d'accéder à la lumière, celle-ci dessèche et meurt. Ce principe est rapide, cependant, je conseille directement le paillage, feuilles mortes, paille. Pour votre bande, que l'on appellera également butte, je conseille une couche légère de fumier si vous souhaitez utiliser votre butte au printemps, des copeaux de bois ou BRF, et un bon paillage d'une trentaine de centimètres. Cela sous-entend effectivement de connaître quelques personnes pour la fourniture de certains amendements, comme le fumier, la paille ou encore le BRF. Si vous avez un jardin boisé, un compost et un poulailler par exemple,
il ne vous manque que la paille. C'est l'occasion également de renouer des liens avec les paysans qui sont près de chez vous. Vous pouvez utiliser vos tontes de gazon, mais attention, fraîches, celles-ci fermentent et deviennent très chaudes. Aussi, il faut tout d'abord la laisser sécher un petit peu. Une fois votre butte couverte, il suffit d'y laisser passer l'hiver et le début du printemps, pluvieux, pour y découvrir à la plantation une terre fertile, riche en vers de terre et agréable au toucher. Pour cette année, pensez peut-être à un amendement de terreau, car l'ajout de végétaux frais ou fumiers s'effectue le plus souvent en automne pour que l'ensemble soit bien digéré par le sol. Le temps de la plantation est venu. Dès le mois de mars, n'hésitez pas à vous munir d'un calendrier du potager ainsi que d'un tableau vous expliquant les plantes compagnes et le moment des semis de chaque variété et leur entretien. Vous pouvez utiliser un agenda lunaire. L'importance ici est de noter l'ensemble des observations au cours de l'année. Les plants les plus vigoureux, si vous voulez récupérer les graines, les échecs, les réussites, etc. Toutes ces notes seront précieuses pour l'année suivante. Le tableau des plantes compagnes vous aide à la plantation pour installer vos plants de manière qu'aucune plante ne soit en compétition avec l'autre, dans la recherche de nourriture, mais aussi qu'elle soit complémentaire sur une même butte pour lutter contre les nuisibles ou contre certaines carences. Et celui des semis vous indique les dates pour débuter suivant les variétés maraîchères. Si vous ne faites pas vos semis, achetez des plants bio et maintenant installons-les. Certains légumes ont besoin d'une terre riche et lourde, alors que d'autres souhaitent une terre plus légère et drainante. Certains aiment un ensoleillement important, alors que d'autres se plaisent à l'ombre d'une autre plante. Ces informations sont faciles à trouver sur Internet. À la plantation et sur le début de la croissance, l'arrosage doit être copieux. Il ne s'agit pas d'arroser peu, tous les jours, mais plutôt de mettre un arrosoir par plant toutes les semaines et suivant la chaleur installée. Pourquoi ? Car l'arrosage en superficie n'invite pas les racines à plonger en profondeur et la moindre sécheresse assèche les plantes, alors que si les racines puisent en profondeur, elles seront beaucoup mieux protégées par la suite. Par la suite, réduire progressivement l'arrosage permettra à la plante d'être mieux acclimatée avec moins d'eau. Sur tout le long de la pousse, le sol ne doit jamais être à découvert. Rajouter de la paille, couper des mauvaises herbes et disposez-les en surface, toute matière organique est bonne à prendre pour nourrir et conserver l'humidité du sol et donc de la vie souterraine. Vous pouvez également vous renseigner sur les différents purins faciles à fabriquer et utilisables pour rectifier certains manques de vos sols. Voici donc les premiers principes de la permaculture. Un sol toujours couvert, des plantes compagnes, des haies pour accueillir la biodiversité, un arrosage conséquent suivant le temps, un espace entièrement naturel où l'homme s'inscrit dans le cycle des saisons et comprend au fil du temps les interactions du vivant et les stimule. La monoculture est à proscrire. N'hésitez pas, au fil de vos buts, à mélanger fleurs mellifères pour attirer les pollinisateurs, des aromatiques et différentes variétés qui, en petite quantité et mélangées, sont un obstacle naturel aux ravageurs et autres maladies. La permaculture n'est pas disciplinée, elle rêve juste d'abondance. Cette méthode de culture est donc locale et correspond à l'écosystème dans lequel vous vivez. Les rendements sont excellents au bout de quelques années d'enrichissement de la terre et d'entretien des buttes. Voilà pourquoi elle semble être une solution à l'agriculture conventionnelle intensive, parce qu'elle est résiliente, n'ajoute rien et restitue à la terre avec le respect nécessaire à la préservation des écosystèmes. Ce principe permaculturel de résilience est aujourd'hui développé dans l'éco-construction, dans les énergies renouvelables, mais également dans la gouvernance entre citoyens. Il s'agit d'un modèle adéquat pour affronter les différentes problématiques du monde moderne et propose un modèle de développement local pour échapper à une mondialisation financière où les gagnants sont peu nombreux. Pour ceux qui souhaiteraient plus de renseignements complémentaires, je vous invite à suivre la page Facebook « Sous la canopée Liberté FM » qui publie sur l'ensemble de ces thématiques. Bonne semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était ? Oh ! Oh ! Oh ! C'était un pur délire. J'ai trouvé ça. Quoi, Green ? Oui ! Green, comment ? Oh, super Green ! Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, tu vois ? Mais tu vois le Green, Green absolu. Green, Green, Green.